Mon père n'est pas vigneron, il travaille dans la finance à Paris. Je suis né à Paris, donc je venais à Nuits-Saint-Georges pour voir ma grand-mère, c'est la maison de famille. Enfin bon, au fond du jardin, juste au-dessus de cette cave, on louait cette cave en fait avant un vigneron. Et ce vigneron, et moi le week-end avec ma grand-mère, 60 ans de plus que moi, c'était pas très fun, donc j'avais besoin de me trouver des distractions et j'avais juste à traverser le jardin pour voir ce vigneron. Et donc ce vigneron m'a expliqué un peu ce qu'était le vin, la vigne. Je descendais dans cette cave-là, j'avais 13 ans, 14 ans, et donc on dégustait, il m'expliquait, il me faisait goûter les différents terroirs. Et donc à 16 ans, je me suis dit, bah, c'est ça que j'ai envie de faire, quoi. La famille Liger Belair, elle est très anciennement implantée à Nuits-Saint-Georges puisque c'est la plus vieille famille mais de négociants de Nuits-Saint-Georges. Elle a été créée en 1720 et aujourd'hui je suis la 9e génération, mais la première génération de vignerons. C'est un métier qui nous permet de faire, d'être à la fois agriculteur, de travailler les sols, de travailler une plante, de produire un raisin, de le transformer et puis ensuite de l'élever et après de le vendre. Moi, il n'y a pas beaucoup de métiers que je connais dans lequel on peut être acteur de tous les éléments, je dirais, de la filière. Et ça, c'est assez passionnant. C'est pour ça que j'aime mon métier, d'une part, et c'est aussi pour ça, parce que quand on est là, j'ai beaucoup de plaisir à être dans les vignes. La vigne a des besoins et pendant, je dirais, les 30 ou 40 dernières années, on a donné au sol ce dont la vigne avait besoin, sans jamais se poser la question du besoin du sol. On s'est posé la question du besoin de la vigne. Et pour moi, ça ne tient qu'à moi, mais je pense que c'est une réelle erreur. Sachant que si une usine, vous ne lui donnez pas de la matière première, elle ne pourra pas faire un produit fini. Si le sol, vous ne lui donnez pas ce dont le sol a besoin pour produire à la vigne ce dont elle a besoin, le sol ne fera jamais rien. Il ne faut surtout pas simplement se mettre en tête qu'on va mettre... La vigne a besoin de potassium, on met du potassium. La vigne a besoin d'azote, on se met de l'azote. Non, c'est un ensemble. Et ça, c'est très important. C'est toujours une question d'équilibre. L'équilibre, c'est un tout. C'est le mot fédérateur, en fait, qu'on doit avoir toujours en tête depuis vraiment... ce sol-là jusqu'à ce qu'il y a dans le verre au final. Ah ben je veux l'avoir. Je t'ai dit que c'était du verdus. Même si je vois ton genre. Donc là c'est vraiment le moment où tout se passe, où tout le résultat d'une année de travail est là. Donc c'est évidemment un moment très important parce que on est 25 coupeurs, ça coupe, c'est le raisin est rentré. Je dirais que dans notre travail de toute l'année, c'est 80% de notre travail, la finalité elle est là, c'est le raisin, la décision du moment venu, on décide de le couper. La base d'une bonne vinification, c'est avant goûter beaucoup les raisins. Thibault, 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 Thib
vin bien mûr. Belle couleur, ça sent bon. C'est nos bébés. C'est vrai que la vinification, c'est pas compliqué en fait. Je dirais que c'est un processus naturel. Tout simplement, la fermentation, c'est le sucre qui va se transformer en alcool. Et si nous, vinificateurs et éleveurs, on n'arrête pas à un moment donné ce processus-là, tout simplement en le privant d'oxygène, la mise en bouteille, cet alcool va se transformer en acide. On appelle aussi le vinaigre, acide acétique. Donc tout simplement, on va essayer d'aller jusqu'au bout, c'est-à-dire de... Enfin, pas jusqu'au bout, justement, de faire en sorte que la vinification, tout simplement, cette transformation de sucre en alcool, puisse être la première étape, et ensuite l'élevage, et après à nous de décider à un moment donné où est-ce qu'on veut arrêter cette évolution. Et c'est quoi, toi, ta vision du vin et de la vinification ? La vinification, le vin, effectivement, nous, on intervient, on récolte le raisin, on le met dans la cuve. Le but, c'est d'arriver à un produit fini, donc le vin. La biologie, la culture biologique ou la biodynamie, en fait, c'est d'accompagner le raisin dans cette phase de transformation en intervenant le moins possible. Parce qu'on s'est rendu compte ces 30 dernières années que plus on intervenait sur les vinifications, plus on gommait les terroirs. Avant, on faisait plus des vins technologiques parce qu'on intervenait plus. Et aujourd'hui, le vin, il se fait pas que sur la cuve, il se fait aussi sur l'élevage. Et on a un élément qui est évidemment très important, qui est le bois. On utilise du chêne. Et ce qui est intéressant, c'est que moi, j'ai essayé de prendre à la base ce bois-là en essayant de comprendre d'où il venait, de faire la sélection des bois par rapport à leur origine. Je ne suis pas tonnelier, mais j'essaye de comprendre. Et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, on est en tonnellerie. On essaie vraiment de se caler. De se caler pour essayer d'aller dans le plus juste. Alors après, évidemment, on n'est pas dans l'analyse, on n'est pas sur quelque chose de super précis. On est juste dans la vision. C'est pour ça que le tonnelier, c'est vraiment un métier d'artiste, parce qu'il y a ce côté où finalement ils sont la tête dedans tout le temps, et puis ils vont regarder, ils vont voir le fût, ils vont avoir l'œil. Le bois est une matière noble, un fût c'est un meuble, et quand on le touche et quand on le sent, c'est quelque chose qui vit, quoi. On a vraiment l'impression que ça vit, parce que ça dégage, ça donne beaucoup, c'est très généreux, un peu comme le vin, et donc c'est logique que ça rentre à part entière dans le processus de production, et qu'on doit vraiment porter une attention toute particulière à cette étape.